Au sud-est de la mer Méditerranée, l'Égypte possède un territoire qui fait la jonction entre les continents africains et asiatiques, la péninsule du Sinaï. En forme de triangle, la presqu'île se découpe dans les eaux de la mer Rouge, une mer parmi les plus chaudes de la planète, riche de nombreux récifs coralliens. La presqu'île du Sinaï est couverte par un vaste désert de sable et de roches. Les sommets y sont les plus élevés d'Égypte. Ils dépassent parfois 2000 mètres d'altitude. Dans les vallées, ondule le sillage des rivières intermittentes. Elles permettent à la végétation de prendre pied dans un environnement hostile. Malgré un ensoleillement record et des écarts de température considérables, les végétaux sont parvenus à s'installer sur des surfaces très limitées. Les espèces réduisent leur feuillage, développent leurs racines ou limitent leur durée de vie, et ainsi elles résistent. Le soleil brûle, mais la flore méditerranéenne est présente. À certains endroits, les végétaux ont même réussi à prospérer comme les palmiers. La mangrove s'est aussi développée, les pieds dans l'eau salée. Le contrôle du Sinaï est disputé depuis la plus haute antiquité. La région est en effet un point de passage stratégique et de nombreux vestiges témoignent des différentes cultures qui s'y sont établies au cours des siècles. Les puissances coloniales et les pays voisins se sont violemment affrontés dans la presqu'île du Sinaï. Au terme de combats acharnés, le territoire tout entier a changé de main à plusieurs reprises. Les frontières se sont déplacées et les cartes ont été redessinées. Les Bédouins représentent la population autochtone du Sinaï. Ils se répartissent en différentes tribus dont les territoires n'ont pas de limites très précises. C'est la tradition séculaire qui trace les contours de leurs terres. La cellule familiale est la base de la société bédouine. Au contraire des pêcheurs sédentarisés, l'habitat des Bédouins est toujours mobile. Un mode de vie qu'ils refusent d'abandonner pour les logements mieux équipés des cités nouvelles. Les Bédouins sont musulmans, ce qui est vrai pour 90% des Égyptiens. Hormis les dromadaires, élever des animaux dans le désert n'est pas chose facile. Hommes et femmes peuvent parcourir de très longues distances pour mener leurs troupeaux à la recherche de maigres pâturages. Sur une terre ingrate qu'il faut arpenter jour après jour sous un soleil implacable, l'ombre d'un arbre semble aussi providentielle qu'un point d'eau. À partir de la nappe phréatique, la maîtrise de l'eau permet de cultiver une terre récalcitrante. Ainsi, au beau milieu du désert, le miracle s'accomplit en faisant apparaître les légumes et les fruits. Dans le désert du Sinaï, l'eau est facile d'accès pour les fermes grâce à la faible profondeur de la nappe phréatique. L'aquaculture se développe avec l'élevage des crevettes d'eau douce. On agite la surface pour maintenir dans l'eau la présence de l'oxygène nécessaire aux crustacés. On exploite le sel marin depuis des siècles. La mer Rouge est la plus salée des mers ouvertes dans le monde. La chaleur provoque une forte évaporation qui entraîne la concentration du sel dans l'eau. Pour être conservé, les corps momifiés de l'Égypte ancienne étaient plongés dans une solution salée. Les gisements de pétrole du Sinaï fournissent une partie des ressources énergétiques du pays. Par ailleurs, l'Égypte apparaît comme le leader africain des énergies renouvelables, et notamment de l'énergie solaire. À terme, le cinquième de l'énergie égyptienne pourrait être renouvelable. Dans la péninsule du Sinaï,
L'artisanat met en valeur différentes ressources locales. Elles peuvent venir en droite ligne de la mer ou alors du sous-sol, comme l'onyx et le cuivre, un minerai très recherché dès l'époque pharaonique. Un festival de couleurs et de formes auquel s'ajoute la terre cuite. Le Sinaï entretient sa réputation au carrefour des routes depuis l'Antiquité. Les pistes empruntées par les caravanes ont été recouvertes par le bitume, qui supporte l'exposition prolongée au soleil. Ces éléments favorisent l'accueil des visiteurs qui affluent sur les rivages de la mer Rouge. Jadis cantonnés aux seuls monuments antiques, l'offre touristique de l'Égypte s'est élargie grâce au Sinaï. Les températures clémentes en hiver autorisent la pratique de sports trop éprouvants en été. Autre atout, trois grandes religions possèdent en commun des sites historiques majeurs. Autant d'arguments supplémentaires pour les touristes qui apprécient de séjourner dans des lieux bien intégrés à la nature. Le commerce n'est pourtant jamais très éloigné. Il atteint même des sommets dans la cité balnéaire de Sharm el-Sheikh, où les traditions se perpétuent en rythme et en mouvement. Une bonne partie des touristes qui séjournent dans le Sinaï sont des amateurs de plongée. Ils profitent de la lumière exceptionnelle qui baigne la mer Rouge, même en profondeur. Les plongeurs apprécient la température constante de l'eau en toute saison. Riches d'une faune et d'une flore incomparables, les récifs sont collés au rivage. Au premier regard, le Sinaï étonne par les audaces d'un désert polychrome. La côte nord de la presqu'île du Sinaï est bordée par la Méditerranée. Les températures y sont moins contrastées, avec des hivers humides et doux. Mais cela n'a pas suffi à contenir la progression du désert, qui réduit la végétation à un maigre cordon littoral. Au large, les bateaux de gros tonnage sont en vue de Port Saïd, le deuxième port d'Égypte après Alexandrie. La ville de Port Saïd n'existait pas avant le milieu du 19e siècle. Dans une maison néo-gothique, la Villa Fernande, vécut un diplomate français qui fut consul en Égypte et défenseur d'un projet insensé. Ferdinand de Lesseps lança la création de Port Saïd en 1859, en parallèle avec l'un des plus grands chantiers de l'histoire, le canal de Suez. Des pilotes spécialisés montent à bord des navires pour les diriger. Leur présence est obligatoire. En revanche, les bateaux ne sont pas forcément tirés par des remorqueurs. Entre la Méditerranée et la mer Rouge, le voyage des mastodontes dure entre 10 et 16 heures sur un parcours qui fait moins de 200 km. Toujours en convoi, les bateaux ne peuvent pas se croiser. La navigation est donc alternée. À l'époque de Napoléon, une erreur de calcul avait laissé croire qu'il y avait une différence de niveau entre la Méditerranée et la mer Rouge. Comme les mers sont en réalité au même niveau, les écluses ne sont pas nécessaires sur le canal. ⅓ du transport maritime mondial transite ici. À mi-parcours entre les deux mers, la ville d'Ismaïlia doit aussi son développement au canal de Suez. Toute l'administration du projet était installée dans la localité. Le canal fut le premier de l'histoire creusé avec des moyens mécaniques. Les travaux donnèrent lieu à de nombreuses découvertes archéologiques. Dans le jardin des stèles sont conservés des témoignages du grand pharaon Ramsès II.
À l'origine, Ismaïlia était un petit village de pêcheurs. Il a conservé une activité de pêche artisanale. Les pêcheurs lancent toujours leur filet dans l'eau salée du lac Timsa, un des trois lacs englobés par le canal. Les lacs jouent un rôle d'amortisseur contre les courants marins. Énorme avantage, le canal de Suez permet le passage entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, donc l'océan Indien, sans faire le tour de l'Afrique. Les bateaux évitent ainsi un parcours d'environ 8000 km. Plus au sud, l'oasis de Ayoun Moussa rappelle le souvenir de Moïse, Moussa en arabe. À la tête des Juifs qui fuyaient l'Égypte, Moïse frappa un rocher de son bâton et l'eau jaillit en abondance pour abreuver son peuple. Ayoun Moussa, les sources de Moïse, pourraient être l'endroit où le miracle se produisit et où les fugitifs établirent leur premier campement sur le chemin de l'Exode. Le savoir-faire des Égyptiens dans la valorisation de leurs terres est aussi ancien que réputé. En la matière, l'approvisionnement en eau est vital. Là où le désert menace, on arrive aujourd'hui à cultiver des parcelles et à nourrir les animaux d'élevage. La lutte est inégale, mais les résultats sont là. La vie s'installe. Les localités se développent et avec elles, les équipements scolaires. Les travaux du canal firent des milliers de victimes parmi les ouvriers qui moururent du choléra en raison des mauvaises conditions d'hygiène. La situation s'améliora lorsqu'on achemina l'eau potable par un canal d'eau douce dérivé du Nil. Vers le sud, au départ de Suez, la route longe le golfe du même nom. C'est à la latitude de Suez que la presqu'île du Sinaï atteint sa largeur maximale, 400 km. Elle s'élargit ainsi à travers un désert qui semble infini. Il y a 20 millions d'années, le Sinaï faisait bloc avec le continent africain et la péninsule arabique. Il s'en est petit à petit détaché en se soulevant. Le Sinaï se trouve en effet juste au bord du Grand Rift, la grande fracture de la croûte terrestre qui part de l'Afrique orientale et se prolonge jusque dans la vallée du Jourdain. Sans cette faille gigantesque, la presqu'île du Sinaï n'existerait pas et le golfe de Suez non plus. Au bord du golfe de Suez, des sources d'eau chaude sulfurée révèlent la proximité du magma terrestre dans le sous-sol de la presqu'île. Il n'est pas nécessaire de sonder les profondeurs du Sinaï pour savoir de quelles roches la péninsule est constituée. Le paysage révèle les différentes composantes géologiques. Au nord, les étendues de sable sont d'origine marine. Elles ont été déposées par la mer Méditerranée lorsque son niveau était plus élevé. Plus on descend vers le sud, plus on s'éloigne de la Méditerranée et plus le sable marin se fait rare. Les camions parcourent les collines du Djebel Elti. Ils sont chargés de calcaire dont on fera de la chaux. Le calcaire est aussi d'origine marine. Il se forme par l'accumulation des coquillages et des squelettes d'autres organismes marins. Avec le temps et le poids des couches empilées, le sable se transforme en grès. La roche prend des couleurs variées selon la nature et la teneur des oxydes métalliques qu'elle contient. Contrairement aux apparences, la région n'a pas toujours été déserte. Les archéologues y ont même fait des découvertes très intéressantes. Dans le sud-ouest de la presqu'île du Sinaï, à proximité d'une ancienne mine de turquoise, les ruines d'un temple antique ont été localisées à Serabit el-Kadem. Des stèles se dressent vers le ciel.
Elles sont dédiées à la déesse égyptienne Hathor, déesse des turquoises et protectrice des mineurs dont les noms sont écrits en hiéroglyphes. Le travail dans la mine était important. Il était assuré par des hommes libres et non par des esclaves. À l'ombre de quelques arbres, l'emplacement du village bédouin est choisi avec soin. Le confort est sommaire, mais l'hospitalité y est légendaire. Les artisans travaillent sur des supports multiples. Ils réalisent des tapis, des bijoux et des parures vestimentaires élégantes et discrètes. Dans le Djebel Fouga, la forêt des piliers regroupe un amoncellement de blocs de lave noire. En refroidissant, la roche en fusion bouillonnante a pris la forme de canalisation. Au sud de la péninsule, le passé volcanique est manifeste. La vie reprend vite ses droits dans un décor pourtant très minéral. Un simple point d'eau devient vite un endroit fréquenté. Au milieu d'une large vallée, les Bédouins peuvent choisir de s'installer de manière plus durable. Certaines parties du village paraissent encore rudimentaires, mais quelques indices montrent que le groupe a décidé de faire ici un séjour prolongé. Compacte et facile à transporter, une citerne assure l'autonomie en eau. Les parpaings fraîchement démoulés sont prêts pour élever le mur. Patchwork de blocs en dur et de tôles ondulées, la maison bédouine ouvre sa porte. À l'intérieur, on achève de cuire le pain. Les hommes boivent le thé brûlant. Sur la tête, ils portent la goutra. Une coiffe blanche, pliée en triangle et fixée par un double lien. La goutra est le couvre-chef traditionnel des hommes dans les pays voisins du golfe arabo-persique. Elle protège du soleil, du vent et du sable qui pénètre partout. Dans la maison, pas de mobilier. On prend le repas sur des tapis posés à même le sol. Conformément à la tradition des nomades, la vie des Bédouins est organisée autour du troupeau. Nombre d'entre eux n'ont pas été scolarisés. Mais aujourd'hui, les Bédouins, qui tendent à se sédentariser, envoient leurs enfants à l'école. Ils y apprennent notamment que le mot « Bédouin » vient d'un mot arabe qui signifie « habitant du désert ». Les Bédouins ont parcouru une longue route après avoir quitté la péninsule arabique. Ils ont suivi l'expansion de l'islam dès les premiers siècles et ont domestiqué le dromadaire pour aller plus loin vers leur destin. Au plus profond du désert qu'ils connaissent d'instinct, les Bédouins ont fait des concessions au progrès. L'automobile est arrivée, mais sous la tente, les distractions, les attitudes et les gestes sont les mêmes, depuis toujours. Les Bédouins savent que le monde autour d'eux a changé. Ils font juste semblant de ne pas l'avoir remarqué. Dans les reliefs de la péninsule du Sinaï apparaissent les wadis,
des vallées creusées par des cours d'eau intermittents. Le Wadi Mukattab, dans le sud-ouest, est célèbre pour ses rochers couverts par des traces d'écriture. Ses caractères remontent au tout premier siècle de notre ère. Il pourrait avoir influencé la formation des caractères hébraïques et arabes. Dans le désert du Sinaï, les roches de couleur ou de nature différentes ont différemment supporté l'érosion. Certaines résistent, d'autres se désagrègent progressivement pour devenir du sable. Une oasis occupe le fond du Wadi Ferran, le plus grand wadi du Sinaï. La végétation n'apparaît pas spontanément autour d'un point d'eau dans le désert. Elle est le plus souvent apportée par l'homme. À proximité d'une source ou d'une nappe phréatique voisine de la surface du sol, les végétaux peuvent supporter les rigueurs du désert, mais c'est grâce au travail de l'homme que l'oasis est devenu un support essentiel de la vie dans le désert. L'oasis est un écosystème à part entière. En plus des espèces végétales qui ont été introduites, d'autres se sont acclimatées. L'ensemble forme un milieu parfaitement équilibré, une véritable source de vie. Les Juifs, sur le chemin de l'Exode, auraient séjourné dans le Wadi Ferran. Les ruines d'églises byzantines et un monastère grec orthodoxe rappellent la dimension religieuse du site. Cap vers l'est. La route descend fortement en prenant la direction du golfe d'Aqaba. Les points culminants du sud Sinaï impressionnent par leur altitude respectable. Or, il faut parcourir moins de 100 km à vol d'oiseau pour atteindre le niveau de la mer. Sur leur route, les Juifs firent une autre escale à l'oasis d'Aïn Koudra. Myriam, la sœur de Moïse, y contracta la lèpre. Pour avoir critiqué son frère, c'est la punition que Dieu lui infligea. Un arbre pétrifié ajoute une dimension dramatique au site biblique d'Azeroth. Après une longue descente ininterrompue, le paysage change subitement en débouchant sur le golfe d'Aqaba. La langue d'eau sépare la presqu'île du Sinaï de la péninsule arabique à l'est. Le golfe est très étroit, puisque sa largeur moyenne est de 25 km. En revanche, sa profondeur peut atteindre 1400 mètres. Au nord du golfe d'Aqaba, non loin de Taba, un fjord entaille la côte dans les flancs d'une ancienne chaîne de montagnes. Sur une île au large, les Byzantins, les Croisés et les Musulmans assurèrent leur position dans la région. Dominée par le mont Sainte-Catherine, qui culmine à plus de 2600 mètres, la partie sud du Sinaï est entièrement orientée vers la mer Rouge. À 70 km au sud de Taba, Nouéba fait face à l'Arabie Saoudite. Le port sur le golfe d'Aqaba ouvre la localité à l'extérieur. En harmonie avec la nature, sous les courbes des bougainvillées, les productions artisanales jouent avec les mêmes couleurs vives. Les vêtements de la femme bédouine, en plus du noir habituel, font appel à des couleurs très relevées.
comme si la polychromie du désert les avait influencés. Avec ses larges pieds, le dromadaire ne s'enfonce pas dans le sable. Mais pour affronter le désert, les qualités naturelles de l'animal ne suffisent pas. Il faut maîtriser bien d'autres connaissances. Majed El Saïd. On apprend aux gens à monter un dromadaire. Les touristes peuvent apprendre à charger un dromadaire, à le nourrir et à le diriger correctement. On leur donne aussi des conseils pour s'orienter à l'aide des étoiles, pour trouver de l'eau. On leur explique comment reconnaître les plantes qu'on peut toucher ou pas, comment réagir si on est piqué par un scorpion ou mordu par un serpent, comment ramasser du bois, préparer son repas ou faire du pain. Le dromadaire a la réputation d'avoir un mauvais caractère. Mais une fois qu'il est bien dressé, on peut lui faire faire beaucoup de choses. Il adore patauger dans la mer. Lorsqu'il est content, il fait tout pour faciliter la descente. Le dromadaire peut se passer de boire pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas le cas pour la plupart des espèces végétales cultivées dans un climat désertique, mais Majed El Saïd a néanmoins créé une ferme biologique. Ici, c'est le coin des palmiers, là, celui des olives. Ici, on a de l'aubergine et des grenades. En plus de leur beauté, les montagnes colorées du Sinaï ont aussi des vertus bien particulières. Jacqueline Percy. Je pense que les montagnes elles-mêmes sont ici d'importants conducteurs d'énergie. Toute l'énergie qui provient des étoiles de notre galaxie est magnifiquement amassée ici. Et si vous allez dans la montagne, comme ces montagnes regorgent de fer, de cuivre et de granit, qui sont vraiment de beaux minéraux, on dirait qu'on absorbe de l'énergie. Et si vous vous asseyez sur ces pierres là-bas, vous serez transporté. Il y a plusieurs millions d'années, le Sinaï était couvert par la mer. Au fond de la mer se sont déposées des couches épaisses de sédiments, des sables et des débris organiques. Petit à petit, les couches ont durci, compactées par la pression de l'eau, pour se transformer en grès. Mais avant de se retirer, la mer a creusé les roches encore tendres. Elle y a découpé de profonds canyons dont les parois apparaissent aujourd'hui à l'air libre. Dans le canyon coloré, le grès semble drapé de tissus chatoyants. Les oxydes métalliques teintent la roche de nuances délicates. Le mouvement de l'eau contre les parois a façonné la roche, accentuant encore le contraste entre les zones qui restent à l'ombre et celles qui réfléchissent la lumière. Une beauté fragile que menacent les pas des visiteurs et les vents de sable. Au sud-est de la presqu'île du Sinaï, Dahab est un ancien village de Bédouins. C'est difficile à croire quand on voit comment la localité s'est développée en quelques années. Aujourd'hui, la ville est entièrement tournée vers la mer, terrain de jeu et d'exercice pour les sportifs. Entre le Sinaï et l'Arabie Saoudite, les vents ne rencontrent aucun obstacle.
Dahab doit sa réputation à la pratique d'un sport dont les adeptes viennent du monde entier. En plusieurs endroits de la côte, le rituel est toujours le même. On débarque le matériel et on se prépare avec beaucoup de méticulosité. La mer Rouge est en effet l'une des mers les plus fréquentées par les plongeurs, qui bénéficient ici d'excellentes conditions. La clarté de la mer Rouge est la première de ses qualités. C'est la lumière qui permet la croissance des coraux. La deuxième qualité de la mer Rouge est sa température. En été, elle peut atteindre 30 degrés en surface. Et en plongeant, la température diminue très lentement. À 1000 mètres de profondeur, l'eau est encore à 20 degrés. L'eau de la mer Rouge est très salée, mais cela n'empêche pas certains végétaux de vivre à proximité immédiate. La mangrove est formée d'espèces halophiles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de résister au sel. C'est le cas du palétuvier rouge, dont les racines sont immergées. Le golfe d'Aqaba s'étire sur 180 km de longueur. Tout au long de la côte, des récifs coralliens se sont formés. Ils composent un ensemble qui s'accroît en s'éloignant du rivage. Ici, sur les récifs plats, l'eau est peu profonde. L'ouverture du golfe d'Aqaba sur la mer Rouge est très étroite. Les marées y sont de faible amplitude. Une situation idéale pour les récifs coralliens qui colonisent le littoral. En prenant de la hauteur, le contraste entre la mer Rouge et la roche brute est encore plus saisissant. La côte sud de la péninsule ne présente pas le même profil. Le littoral, moins abrupt, a laissé la roche se désagréger pour former une plage où chacun trouve son compte. Pas nécessaire de plonger. Les bateaux à fond de verre montrent les richesses du récif corallien. Un véritable kaléidoscope vivant. À la surface, les bateaux emmènent les plongeurs vers les plus beaux sites. En quelques minutes, une remuante escadre se prépare à appareiller. Les bateaux essaient d'arriver les premiers sur les meilleurs spots de plongée, car le nombre de plongeurs par site est limité. Pour Jackie Thomas, la plongée en mer Rouge vaut vraiment le déplacement. Ici, il y a des très jolis récifs avec beaucoup de poissons, beaucoup de coraux, plein de choses à voir. Et il y a ici des endroits où c'est bien protégé. Il y a des baies où des élèves peuvent s'entraîner, où des gens ont beaucoup d'expérience. Et aussi, les gens qui ont plus d'expérience peuvent aller aux d'autres endroits, comme Tiran ou Ras Mohammed. Le monde du récif est fascinant. Des centaines d'espèces vivent en harmonie avec le corail, un animal sans colonne vertébrale qui fabrique un squelette extérieur. Thank you.
Les changements de la température de l'eau, de la salinité, de la teneur en oxygène et la pollution, bien sûr, ont des conséquences irréversibles sur le récif corallien et sur les espèces qui en vivent. Partout dans le monde, un grand nombre de coraux commencent à blanchir et on ne parvient pas encore à expliquer les causes du phénomène. En restant discret, l'homme peut s'intégrer momentanément au récif corallien. C'est la chance unique de partager un environnement exceptionnel avec la faune qui l'habite. En apesanteur dans l'eau claire, on se déplace sans effort et sans le moindre stress. Quant aux habitants du récif, ils semblent indifférents au regard du plongeur qui passe. Le trafic aérien a fortement augmenté au sud du Sinaï. Les avions se succèdent sans répit à l'approche de l'aéroport de Sharm el-Sheikh. L'aéroport fut créé en 1968, à l'époque où la péninsule était occupée par Israël, après la guerre des Six Jours. L'aéroport est situé à proximité d'une localité qui n'a plus rien à voir avec le village de Bédouins qu'elle a été jadis. Les infrastructures flambant neuves et les hôtels de luxe ont transformé Sharm el-Sheikh en une cité phénomène, entièrement tournée vers les loisirs. Une vocation qui lui a valu une réputation internationale. Ajoutez à cela un climat très favorable, particulièrement agréable au printemps et à l'automne, et on comprend les raisons d'une étonnante réussite économique. Les enseignes des boutiques annoncent la couleur et attirent les clients dans leur langue. Toutes les recettes du marketing moderne sont appliquées par les commerçants d'un souk animé où les articles perpétuent les traditions. Le cuir, sous toutes ses formes, mais aussi les soieries et la mousseline, les pierres, le verre, les métaux et les boiseries dessinent les lignes du Proche-Orient. Dans la nuit tiède, la culture occidentale place quelques repères bien visibles. Mais ils sont très vite emportés par les vibrations orientales. Les rotations de la danseuse et celles du derviche tourneur n'ont pas les mêmes origines. Par ces mouvements, le derviche tourne pour entrer en contact avec Dieu.
À 25 km de Sharm el-Sheikh, le parc national de Ras Mohammed est le seul parc naturel d'Égypte. Il couvre à la fois une zone marine et une zone terrestre. On peut se demander pourquoi on a choisi d'appeler mer Rouge une mer aussi bleue. Pour certains, l'appellation est due à la présence massive de phytoplancton. Un plancton végétal formé notamment par une algue microscopique qui devient rouge à un moment de son existence. Pour d'autres, le rouge viendrait de la couleur dominante des roches voisines. Sur la terre ferme, l'entrée du parc de Ras Mohammed est marquée par une construction monumentale. Le parc a été créé dans les années 1980. Il constitue un véritable sanctuaire de la vie sauvage dans le désert. Le monde animal y est protégé, comme le renard de Blanfort, qui vit au Proche et au Moyen-Orient. Dans le désert du Sinaï, l'eau douce peut être toute proche. La démonstration en est faite grâce à une faille ouverte lors d'un tremblement de terre. Au bord de la mer, apparaissent des récifs fossilisés, soulevés au-dessus du niveau de l'eau. À différents endroits de la côte, la mangrove s'est installée. L'eau de la mer Rouge possède une transparence remarquable qui fait son succès auprès des plongeurs et des plaisanciers. La clarté de l'eau s'explique de plusieurs façons, et notamment par l'environnement désertique. En effet, il n'y a quasiment aucun cours d'eau qui se jette dans la mer, si ce n'est par intermittence. Aucune alluvion ne vient donc troubler l'eau et perturber le développement du corail. Des conditions uniques et un équilibre fragile pour des organismes très sensibles aux variations de leur environnement. Le sud de la péninsule du Sinaï est un lieu très important pour les religions chrétiennes, juives et musulmanes. Sur le chemin de la Terre promise, Moïse y emmena son peuple pour vivre un épisode clé de son histoire. Le personnage de Moïse est d'ailleurs reconnu par les trois religions. La traversée du désert commençait à lasser le peuple fugitif qui regrettait presque la vie en Égypte. Parce qu'il avait osé protester, Dieu punit son peuple et le condamna à marcher 40 ans dans le désert. Au fond d'une austère vallée rocheuse très encaissée, apparaît le monastère de Sainte Catherine. Il a été fondé au VIe siècle. C'est le plus ancien des monastères chrétiens dont l'activité s'est maintenue sans interruption. Une source souterraine permet l'alimentation en eau, et au cours des siècles, les moines ont apporté de la terre afin de la cultiver. Le monastère a toujours entretenu d'excellentes relations avec les musulmans. Une mosquée a même été installée à l'intérieur du périmètre, parce que Mahomet en personne avait dispensé les moines de payer l'impôt. Lors de la campagne d'Égypte, Napoléon a fait restaurer la partie supérieure des murs avec des pierres plus petites. Les richesses accumulées par les moines suscitaient les convoitises. Le monastère de Sainte-Catherine est chrétien. Il appartient au rite orthodoxe. Le père Justin en explique l'origine et l'évolution. Généralement, le monastère est décrit comme étant grec-orthodoxe parce que, étant héritier d'un monastère byzantin, il s'est trouvé qu'au cours de l'histoire, il est devenu essentiellement grec. Au milieu d'un site grandiose, l'établissement religieux est complètement isolé. Mais il est aussi très isolé dans le cadre de l'église orthodoxe. Le monastère, ça c'est tout à fait intéressant, et plus qu'un monastère, c'est une petite église. C'est la plus petite église orthodoxe du monde. C'est-à-dire qu'à sa tête, il y a des raisons historiques à cela,
l'abbé, si vous voulez, est un évêque qui est élu par les moines et qui est traditionnellement consacré par l'archevêque, le patriarche de Jérusalem, sans faire partie de son synode. Donc nous sommes indépendants. Dans l'enceinte du monastère, un petit massif végétal rappelle un épisode biblique important. Dieu apparut à Moïse dans un buisson qui brûlait sans se consumer. Le buisson ardent. Le monastère est aussi un haut lieu de l'histoire intellectuelle. La bibliothèque est l'une des plus anciennes du monde chrétien. L'absence d'humidité a permis de conserver les crânes des moines décédés. Le squelette de l'un d'entre eux porte encore l'habit monacal. Le monastère est riche d'une extraordinaire collection d'œuvres d'art. Mais les moines s'en éloignent parfois pour retrouver l'authenticité d'une vie simple. Nous avons des cellules, ou certains moines ont des cellules, en dehors de du monastère, ou dans lesquelles ils se rendent régulièrement pour passer un certain temps. Le caractère, l'attraction du désert est un élément fondamental de la vocation des moines du Sinaï, ça c'est certain. La moindre parcelle de terre arable est cultivée, la plupart du temps en terrasse, dans l'environnement lunaire du monastère de Sainte-Catherine. L'édifice a été créé pour célébrer un événement biblique fondamental. C'est ici que Dieu remit à Moïse les 10 commandements. La rencontre eut lieu au sommet du mont Sinaï, une montagne que les Bédouins connaissent bien. Ils connaissent les chemins escarpés et guident les pèlerins à travers des lieux hautement symboliques. Après des années de route, le peuple de Moïse attendait au pied de la montagne que son chef redescende. En son absence, les Juifs façonnèrent un veau d'or avec le métal précieux qu'ils avaient pris aux Égyptiens. En découvrant que son peuple idolâtrait un animal, Moïse entra dans une grande colère. Il fracassa les tables de la loi que Dieu lui avait remises, gravées dans la pierre. Il lui fallut alors remonter sur le mont Sinaï pour obtenir de Dieu qu'il remplace le texte détruit. Différents sentiers gravissent les flancs de la montagne. Au départ du monastère de Sainte-Catherine, il faut 3 heures de marche pour gagner le sommet qui culmine à près de 2300 mètres. Au sommet, une chapelle est dédiée à la Sainte Trinité. Elle a été élevée à l'initiative de l'empereur romain Justinien, qui fut lui-même à l'origine du monastère. Plusieurs fois détruite, la chapelle fut reconstruite au XXe siècle. Le mont Sinaï domine un paysage à couper le souffle, composé en grande part de roches volcaniques. Un paysage dont la vie n'est pas exclue pour autant. À certaines heures de la journée, s'agite un petit oiseau qui semble bien fragile. Le roselin du Sinaï. Le mont Sinaï est moins élevé que le mont Sainte-Catherine, le plus haut sommet d'Égypte. D'après la légende, les moines de la vallée découvrirent au sommet de la montagne le corps intact de Sainte-Catherine d'Alexandrie. La jeune femme avait été martyrisée pour avoir refusé de se marier avec un empereur romain. Des reliques de la sainte sont toujours conservées à l'abri du monastère. Dans la région, la roche tourmentée offre un cadre somptueux aux croyances des chrétiens, des juifs et des musulmans. De la haute montagne où les cultures et les religions se croisent,
jusqu'à la mer limpide où le corail abonde, la presqu'île du Sinaï exploite toute la palette d'un désert polychrome.